Allez, c'est moi, vous souvenez de moi? C'est moi qui suis en marche, je suis toujours en marche. Alors, bon, alors j'ai décidé, parce que comme ce gouvernement est très intelligent, hein, parce que je le soutiens, hein, voilà, j'ai décidé de faire un petit jeu pour vous changer les idées que vous êtes en confinement. Ça s'appelle, c'est comme, un peu comme le chacun dit, hein, ça s'appelle le que Manu a dit. Eh, voilà, alors, si vous trouvez la bonne solution, vous gagnez. Si vous trouvez pas, hop, eh ben vous perdez. Hein, c'est comme le chacun dit, mais c'est Manu. On commence, attention. Manu a dit, sortez faire du sport. Eh, qu'est-ce qu'il dit? Ah, non! Oui. Alors, il a dit, oui, mais en fait, Manu a dit maintenant, sortez faire du sport, mais à 10 mètres. Voilà, bah, boum, 35 euros d'amende. Voilà, t'as perdu, toi. Alors, attention. Manu a dit, au début, les masques, ça sert à rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une main là. Toi, tu vas répondre? Ah, bah non! Boum! 20 euros! Bon, ça, c'est un peu, parce que Manu a dit, non, aujourd'hui, il faut porter les masques, hein, parce qu'on peut en plus attraper dans l'air. Voilà. Bon, on commence, attention. Manu a dit, confiné 15 jours. Et, c'est vrai, c'est pas vrai? Ah, bah non! Ah, Manu a dit, peut-être qu'il faudra prolonger encore d'un mois le confinement, au plus. Bon, voilà, j'avoue, il y avait un piège, parce que quand même, elle était pas... Mais tiens, pouf, allez, 135 euros d'amende quand même, dans ta gueule. Ok, attention, c'est compliqué. Manu a dit, je vais fermer une usine bretonne qui produisait 200 millions de masques et je vais la vendre à un conglomérat américain, Honeywell, et je renouvelle pas les contrats français avec cette entreprise qui fabrique 200 millions de masques par an. Attention. Y'a personne qui répond? Y'a bien? Ouais? Oui, bah oui, c'est la vérité! Quoi? Ouais? Bon. Du coup, on est tous dans la merde! On a tous perdu! C'est toi qui réponds ça? Oui, mais, t'as pas tort. C'est la connerie, en fait! Oh putain!